traité de « petite nature », il lui avait proposé d'aller dans un local d'immeuble que connaissait le dealer, à côté. Il s'y était rendu rapidement. Là-bas, ils avaient fumé, il l'avait embrassé, puis il lui avait demandé une fellation. Il avait pris de la coke, ils avaient eu un rapport assez rapide, rien d'extraordinaire. Il avait récupéré sa culotte et en sortant, il lui avait avoué qu'il s'agissait d'un bisutage. Elle s'était mise à pleurer. C'est là qu'il avait pris peur. Les larmes lui faisaient perdre ses moyens. Il avait un peu paniqué. Il l'avait laissé au milieu de la rue et était retourné à la soirée, la culotte dans la poche. De retour à l'appartement, il avait beaucoup bu, un peu dansé. Il s'était affalé sur un canapé avec ses amis et une discussion avait mal tourné. Alexandre avait affirmé que la voix royale, c'était développeur chez Google. Mais Rémy s'était énervé. Chez Airbnb, il payait 180 000 dollars annuels, alors il n'avait pas l'intention d'aller croupir chez Google. Où on ne lui en avait proposé que 130. Quant à Hubert, il leur avait presque raccroché au nez quand il avait entendu le salaire proposé 110 000 annuels. Il ne faisait pas l'aumône. Finalement, Rémi avait conclu que le problème ne se poserait pas parce qu'il allait travailler dans un hedge fund à New York pour 250 000 dollars qu'il pourrait doubler en bonus. Tout ça pour ça avait conclu Alexandre dans un état de tension insupportable. Et au milieu de la nuit, il était rentré en taxi. Il se sentait au bord du gouffre à présent. Il ne se souvenait plus très bien de la façon dont les choses s'étaient passées avec Mila. Il avait peut-être été directif et brutal, à cause de la drogue et de l'alcool. Il n'était pas dans son état normal. Mais c'était tout, il s'en persuadait. En vain. Pourquoi ne parvenait-il pas à la sortir de sa tête Pourquoi revoyait-il cette fille en pleurs est-ce qu'il avait été trop loin Il n'aurait pas dû l'amener dans ce local, voilà ce qu'il se répétait, cherchant à oublier ce qui s'était passé à l'intérieur. Cela n'aurait pas dû arriver. C'était une sensation poisseuse. Il avala un comprimé de Xanax et se détendit rapidement. Il se leva, prit une douche, frottant chaque parcelle de son corps avec un gel bio pour peau sensible, hypoallergénique, sans parabène. Dix minutes plus tard, il se connectait à son ordinateur. Il avança son retour pour San Francisco, il n'avait plus rien à faire en France. Ses parents ne se souciaient pas de lui, Yasmina le fuyait, il était pris d'une irrépressible envie de rentrer chez lui le plus vite possible. Il réservait un billet pour le lendemain et régla avec sa carte bancaire. Il envoya un SMS à ses parents pour le leur annoncer. Il écourtait son voyage, il était convoqué à un entretien important chez Google. Aucun de ses parents ne réagit. Avec le temps, l'expérience, il avait appris à maîtriser la charge de tristesse qui s'abattait sur lui quand il le renvoyait, par leur absence, à sa solitude. Il se connecta à son compte Instagram. Il fit défiler les photos des comptes auxquels il était abonné. Les gens semblaient vivre une existence tellement excitante. Ils allaient dans les meilleurs restaurants, avaient les amis les plus frais, sortaient avec les plus belles filles, et en étaient fous amoureux ça le déprimait. Il se mit en tenue de sport, torse nu, et se dirigea dans la salle que son père avait fait aménager au fond de l'appartement. Il se plaça devant l'une des nombreuses machines et prit une dizaine de photos de lui. Il en choisit une, fit longuement dérouler les filtres, les essaya l'un après l'autre. Radieux, semblait un bon choix pour déjouer l'angoisse. Il régla la luminosité et sélectionna enfin une image qu'il envoya, accompagnée des mentions suivantes, Hashtag discipline, hashtag never give up, hashtag motivation, hashtag bien-être, hashtag happy life, hashtag love my life, hashtag Stanford student, hashtag follow me. Aussitôt des cœurs rouges apparurent sur son écran. Il reçut rapidement des commentaires ⁇ Wow Magnifique Beau gosse !⁇ De nouvelles personnes s'abonnèrent à lui, des filles pour la plupart en tenue de yoga, de fitness ou en maillot de bain. Il vérifia les comptes et ne s'abonna en retour qu'à celles dont le profil lui plaisait. Les mannequins de moins de 25 ans ayant sa préférence, il y en avait des centaines sur Instagram qui posaient à moitié nus, à croire que ses filles se baladaient en string toute l'année. Il évitait les blogueuses mode et toutes celles qui vivaient au crochet des grandes enseignes en faisant du placement de produits, trop vulgaire. Il cliqua sur les liens de deux mannequins. Deux Américaines dont l'activité principale consistait à poster des photos de leurs fesses galbées par des centaines de squats quotidiens. Elles posaient, bouche entrouverte, ne souriait jamais. Ça l'excitait. Il ajouta un commentaire. Love that. Il vérifia si Mila possédait un compte. Oui, elle en avait un. Mais il n'affichait que 20 abonnés. Il n'était constitué que de quelques photos de paysages Brooklyn, Jérusalem, Paris, ou de plats cuisinés. C'était ce qu'il appelait communément une pauvre fille. Dans un élan de culpabilité, il s'abonna à elle. Chapitre 3 Une lumière jaunâtre irradiait la scène, teintant vaguement un ciel de traîne. Tout semblait incertain, mouvant, depuis que Claire, à son réveil, avait allumé son téléphone. Son fils lui avait annoncé qu'il avançait son départ et elle n'avait pas trouvé le courage de le rappeler pour l'en dissuader. Professionnellement, elle traversait une zone de turbulence, et dans ces moments de conflit, elle devait mobiliser toutes ses forces morales intellectuelles. Elle ne savait plus alors être une femme et une mère. Elle était si jeune quand elle avait eu son fils. Elle avait traversé des phases de doute et d'abattement. Elle se revoyait au lendemain de l'accouchement, serrant le petit être dans ses bras et se répétant avec effroi qu'elle était à présent responsable de lui à vie. Elle s'était sentie impuissante et veule comme l'avait été sa mère à sa propre naissance, pleurant en cachette par crainte du jugement social. Il y avait bien cet attachement très fort, cet amour fou, ce désir constant de protéger son enfant, mais ce n'est qu'avec le temps qu'elle avait réussi à se départir, partiellement, de ses angoisses. Depuis la naissance d'Alexandre, elle se sentait ponctuellement dépassée par l'ampleur des exigences qu'impliquait la maternité, et notamment la plus difficile à satisfaire pour une femme qui avait placé très haut sa liberté la disponibilité. Dans le taxi qui la menait vers les locaux de la radio, où elle allait être interviewée sur les effets de son entretien publié le matin même dans la presse, elle relisait avec une rigueur quasi masochiste les dizaines de messages d'insultes qu'elle avait reçus. On la traitait d'islamophobe, on lui reprochait son féminisme blanc et bourgeois. Elle avait un sentiment de malaise et d'immense gâchis, de forfaiture intellectuelle, comme si sa pensée avait été transformée, réduite, Anéantis sous la puissance d'un nouveau tyran, les réseaux sociaux et leur processus ravageur, l'indignation généralisée. Elle aimait la discussion, la contradiction, la remise en question, pas la simplification, pas l'agressivité. C'est pourquoi elle avait accepté cette invitation à débattre avec la responsable d'une association féministe dans une émission matinale. Elle ne recherchait pas une quelconque publicité. Elle avait accepté dans un seul but dénoncer la culture du viol et lever les malentendus que son texte avait suscité. Son interlocutrice, cheveux coupés courts, jeans noirs et chemise rouge, l'interpella avec vigueur dès la prise d'antenne. Vous vous manifestez aujourd'hui parce que ce sont des migrants alors qu'en fait le vrai problème, c'est la violence sexuelle en général. Vous désignez les migrants comme seuls responsables, et ça, c'est inacceptable. Bien sûr que je dénonce la violence sexuelle en général. Mais là, en l'espèce, il s'agissait essentiellement de jeunes hommes venus de Syrie ou du Maghreb. Des endroits où les rapports hommes-femmes ne sont pas les mêmes qu'en France, où le corps de la femme est souvent contrôlé par l'homme. Le vrai problème, ça n'est pas l'origine ethnique, sociale ou religieuse. C'est la domination, c'est le patriarcat. Pas besoin d'être syrien ou maghrébin pour l'imposer. La violence sexuelle a toujours existé. Elle n'a pas été importée par les migrants. Je n'ai jamais dit qu'elle l'était. La journaliste intervint. Claire Farel, pensez vous, comme certains l'ont affirmé en Allemagne, qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle forme de terrorisme, d'une action concertée? Certains ont même parlé de djihad sexuel. Non, je ne le crois pas du tout. Selon moi, il s'agit d'actes sans arrière plan politique. Je ne crois pas qu'ils soient liés au fondamentalisme islamique. Simplement, ces jeunes en provenance de pays musulmans ont été élevés dans une ambiance patriarcale très forte, au sein de sociétés régies par l'ordre religieux. Ces hommes ont souvent une méconnaissance totale des désirs féminins. Il y a même parfois, chez les plus jeunes, une vraie misère sexuelle, car il y a dans certaines familles beaucoup d'interdits. On assiste alors à une chosification de la femme qui mène aux violences commises sur son corps comme ce qui s'est produit à Cologne. Et alors? Ça ne fait pas d'eux des violeurs en puissance, répliqua la responsable associative. Mais la misère sexuelle peut mener à l'agression. C'est la domination masculine qui mène à l'agression. Vous êtes dans le déni, voilà ce que je reproche au néo féminisme avoir trahi le combat féministe en donnant la priorité à l'antiracisme sur l'antisexisme. Nous n'avons rien trahi c'est vous qui trahissez nos valeurs en stigmatisant clairement les musulmans en les désignant comme agresseurs. Je ne stigmatise personne, mais selon moi il n'y a pas d'intérêt supérieur à la vérité et à la transparence. la seule vérité. C'est qu'il y a environ 14 000 cas de viols déclarés par an en France et un peu plus de 7 000 en Allemagne et je ne vous parle pas des milliers de victimes qui n'osent pas porter plainte. Et ces viols sont le fait de qui, vous croyez Ils sont le fait des hommes, de toutes sortes d'hommes, du psychopathe au bon père de famille. Allez au palais de justice, Madame Farrell, et vous verrez que l'agresseur peut être n'importe qui. Alors cessez de stigmatiser les migrants parce qu'à ce jeu-là, vous aurez l'extrême droite au pouvoir dans un an. C'est ce que vous voulez Je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. Mon engagement, mes prises de position, mes livres parlent pour moi. On ne peut pas débattre avec quelqu'un comme vous. Vous êtes dans l'invective. Vous êtes dans le jugement définitif. D'une certaine façon, vous êtes le produit de notre époque. D'après vous, demanda la journaliste, ces actes de violence commis à Cologne remettent-ils en question la politique migratoire d'ouverture prônée par Angela Merkel Non, répondit Claire. Il faut seulement penser différemment l'accueil faire un travail d'information, d'éducation. Vous allez leur distribuer des plaquettes informatives pour leur expliquer comment aborder une femme Ce discours paternaliste et néocolonialiste me révulse. C'est un discours féministe, mais, hélas, vous avez choisi d'abandonner les femmes. Tous les agresseurs sexuels doivent être lourdement condamnés. Quand il s'agit d'étrangers, notre volonté ne doit pas être affaiblie. L'émission touchait à sa fin. La journaliste annonça l'actualité du jour, Claire se leva, tendit la main à la responsable associative, mais la femme esquiva, posa un casque sur ses oreilles et sortit. Chapitre 4 Jean déambulait dans le service hospitalier, mais cette fois-ci, il ne circula pas avec la même fluidité. Il avait à peine franchi la porte de l'ascenseur qui menait au service psychiatrique, qu'il fut arrêté par un médecin. Les visites n'étaient pas autorisées le matin. Je n'en ai que pour quelques minutes. Non, monsieur. C'était visiblement un homme qui n'aimait pas ses émissions, songea Farrell. La chambre dans laquelle était hospitalisée Françoise ne se trouvait qu'à quelques dizaines de mètres. Le médecin lui rappela que les règles de l'hôpital s'adressaient à tout le monde. Farrell détestait ces petits chefs qui vous mettaient des bâtons dans les roues, répétait en société que la virilité n'était jamais aussi intéressante que lorsqu'elle s'effondrait, tout en affichant un machisme primaire à la moindre occasion. Cela, il fallait leur laisser croire qu'ils vous dominaient pour mieux les corrompre le moment venu. Farel fit mine de se diriger vers les toilettes publiques, puis tout à coup s'élança vers la chambre, porté par une énergie nouvelle. Il se mit à courir, retrouva sa vigueur. Il avait vingt ans, trente ans. Il bouscula un chariot vide, indifférent aux vociférations lointaines du médecin qui appelait en renfort les services de sécurité. Et quand enfin il ouvrit la porte, il ne put s'empêcher de pousser un cri d'effroi. Françoise était allongée. Face contre terre, sa chemise de nuit remontée au niveau des cuisses, dans la même position que celle où il avait retrouvé sa mère un après-midi d'octobre 1955. Mais cette fois, ce n'était plus du sang qui s'écoulait du corps gisant à terre. C'était de l'urine. Il recula. Deux hommes le saisirent et l'emmenèrent jusqu'à une salle de garde. Jean attendit que le chef de service daignât le recevoir. Il tremblait. Après avoir patienté une heure, il fut enfin autorisé à entrer dans son bureau. C'était une petite pièce sans charme qui ne contenait aucun objet personnel, façon de leur rappeler qu'il n'était que de passage. Jean lui dit qu'il était le compagnon de Françoise. Elle n'avait pas d'enfant, pas de famille, il était tout pour elle. Il réclamait la vérité sur son état de santé, et le médecin lui répliqua qu'il était soumis au secret médical. Vous m'avez fait attendre tout ce temps pour me dire ça? Enfin elle était par terre, inconsciente, personne ne s'était soucié d'elle, c'est inadmissible. Vous savez qui est cette femme? C'est une très grande journaliste. Nous traitons tous nos patients avec le même dévouement. Jean avoua qu'il songeait à la transférer à l'hôpital américain. Le médecin afficha un petit rictus crispé. Si vous ne trouvez pas l'hôpital public à votre goût, libre à vous de partir. Mais je vous conseille d'abord de parler à votre compagne pour savoir ce qu'elle veut, elle. Jean demanda s'il pouvait rester un peu avec elle, et le médecin accepta, cette fois, à titre exceptionnel. Lorsque Jean entra dans la chambre, il trouva Françoise étendue sur son lit. Elle pleurait doucement, dans un état de grande vulnérabilité. Il s'assit au bord du lit, prit sa main dans la sienne. Je suis là, ma chérie. Elle ne répondit pas, essuya ses larmes, fuyant son regard. Il se mit à embrasser sa main, la garda contre sa joue. Qu'est ce qui s'est passé? Rien. Il ne s'est rien passé. J'ai eu un malaise, c'est tout. Je suis tombée et je me suis pissée dessus. Ce sont des choses qui arrivent. Il ne la reconnaissait plus. Je parle de ta tentative de te faire du mal. C'est à cause de moi? De ce que je t'ai dit? Cesse de te prendre pour le centre du monde, Jean. Ce n'est pas à cause de toi que j'ai tenté de me suicider. Depuis la tentative de son fils, il était incapable de prononcer le mot suicide sans trembler. C'est quoi alors? Parle, ma chérie. Elle détourna son regard. Il sentit qu'elle retenait ses larmes. Je suis malade, Jean. Il était trop tôt pour évoquer la maladie d'Alzheimer, mais elle en présentait tous les symptômes. Perte de mémoire, confusion du langage. Jean savait ce que signifiaient ces mots, ce qu'ils impliquaient. J'ai consulté parce que j'avais des troubles de la mémoire. Et qu'ont dit les médecins J'ai fait des examens. Les résultats sont formels. En plus de l'IRM, les médecins m'ont fait une ponction lombaire. Les marqueurs ont confirmé le diagnostic. Je suis fini, Jean. Elle ne voulait pas perdre la tête, ses souvenirs. Elle ne voulait pas être réduite à la déchéance physique et intellectuelle. Elle allait dès maintenant organiser son suicide assisté en Suisse et il devait l'aider. Tu ne peux pas me demander une chose pareille. Il avait lâché ces mots avec brutalité, c'était sans appel. Elle baissa les yeux. Il se radoucit. Pourquoi ne m'as-tu rien dit Tu ne supportes pas la maladie. Comment te sens-tu La plupart du temps, je vais bien, je donne le change, et puis tout à coup, ça débloque. Le portrait dans le journal, je ne t'en ai pas parlé parce que... J'ai oublié. Elle se remit à pleurer, doucement. Tu vas sortir, je vais m'occuper de toi, tu vas emménager avec moi. C'est impossible, tu es mariée, je dois encore te le rappeler. J'avais quitté Claire. Maintenant Tu cherches quoi Une sanctification Pourquoi ferais-tu cela après toutes ces années Parce que je t'aime. Et tu finiras par m'étrangler comme Althusser parce que tu ne me supporteras plus. Tu dis n'importe quoi. Il n'était pas très sûr d'être capable de réaliser ce qu'il venait de dire, mais s'était sorti tout seul, il devait s'y tenir. Je vais m'occuper de tout, laisse moi faire. Elle le regarda avec tendresse. Elle ressemblait maintenant à une petite fille docile, elle qui avait été une journaliste courageuse, combative, uniquement guidée par l'amour de son métier. Elle s'était rendue sur la plupart des zones de guerre, mais c'était là, dans cette chambre d'hôpital, qu'elle avait connu ses plus grandes terreurs. Tu as prévenu le journal? demanda t-il. Non. On va organiser ton départ. Chaque jour j'ai peur de commettre une faute. Je vérifie tout vingt fois, trente fois. Dès que j'entends l'expression fake news, j'ai des palpitations. Je vais appeler mon avocat, il fera ça très bien. Tu partiras proprement. Il n'y a pas de manière propre de quitter un journal que l'on a tant aimé. Disons que je ferai en sorte que tu t'en tires vers le haut, un départ en majesté. Et tu m'aideras à aller en Suisse. Tu t'occuperas de Claude. On n'en est pas là. Ça s'organise des années à l'avance. Si tu m'aimes, tu dois m'aider à mourir. Tiens, prends les documents dans mon tiroir. Non. Prends-les. S'il te plaît. Il se crispa, puis lentement ouvrit le tiroir. C'était une brochure émanant d'un organisme qui proposait des suicides assistés en Suisse. Il prit le document et le glissa dans sa poche. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Tu sais ce que m'a dit un jour un éditeur parisien? Avec l'expérience de la vieillesse, les femmes meurent vivantes. Je l'ai traité de misogyne. C'était cruel, mais vrai. Jean se crispa. Il n'aimait pas ces discussions sur l'âge et le déclin. Il était convaincu qu'il fallait se battre continuellement et que dans cette lutte, hommes et femmes étaient égaux. Il s'approcha du visage de Françoise et l'embrassa sur le front. Je t'aime, Françoise. Je t'aime tel que tu es. Tu es la plus grande journaliste du monde et tu es la femme de ma vie. Moi aussi, je t'aime. Elle avait aimé avec passion un homme qui incarnait tout ce qu'elle détestait humainement. C'était un mystère. Au revoir, mon amour, dit-elle. Puis, avec ironie, ajouta Le jour où je t'appellerai papa, supprime-moi. Jean quitta la chambre, chancelant. Il avait un sentiment d'extrême solitude. Mécaniquement il consulta son compte Twitter. Il avait atteint les 543 retweets, c'était inespéré. Dans le taxi du retour, il tenta de se concentrer, commença à prendre des notes pour son interview du lendemain. Il allait recevoir l'un des grands juges de l'antiterrorisme, il lui demanderait si, oui ou non, la France était en guerre. Il arriva à son bureau avec retard. Jacqueline lui avait déjà envoyé dix messages. Dès qu'il franchit le seuil des locaux de la chaîne, il constata que Kitri Valois n'était pas là. Habituellement, elle se trouvait à l'accueil, assise derrière un bureau improvisé sur lequel elle avait posé ses affaires, une bougie à la figue, un bloc-notes multicolore et des carnets rouges. Il demanda à Jacqueline où était passée la petite stagiaire. et Elle répondit qu'elle avait donné sa démission le matin même. Elle avait téléphoné dans un état de grande confusion, en disant qu'elle avait de graves problèmes personnels. Elle ne t'a rien dit d'autre Non. Il y eut des remords tout à coup. Elle avait sans doute honte d'avoir eu cette liaison avec lui. Il lui envoya un nouveau message. Pardonnez-moi pour ce qui s'est passé, je n'aurais peut-être pas dû. Elle ne réagit pas. Il regretta aussitôt de l'avoir envoyé. Ce dernier message prêtait à équivoque. Dans ces histoires-là, il ne fallait jamais laisser de traces. Et si c'était une folle Une manipulatrice Depuis l'affaire des SK, il faisait preuve de prudence. Il avait été traumatisé par les images de l'homme politique présidentiable Sortant des locaux de la police, menotté comme un petit malfrat, lui qu'il avait toujours considéré comme un esprit brillant. À l'époque, il l'avait appelé pour lui témoigner son soutien. En pénétrant dans son bureau, il appela Léo. Viens tout de suite. Léo le rejoignit quinze minutes plus tard. Il portait un jean noir et une chemise dont il avait oublié de fermer plusieurs boutons, comme s'il était parti de chez lui dans la précipitation. Je crois que j'ai fait une connerie, dit Froidement Jean. Puis il lui raconta que la veille, il avait couché avec une jeune stagiaire. Une fille qui n'arrêtait pas de me tourner autour. Il lui avait envoyé un message qui laissait entendre qu'il l'aurait harcelée ou aurait abusé d'elle. Tu as quelque chose à te reprocher demanda Léo en allumant une cigarette. Non, bien sûr que non, tu me connais. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit. Je vais même demander son consentement, tu peux le croire ne, ne fume pas dans mon bureau, s'il te plaît, et arrange ta chemise. Alors où est le problème répliqua Léo en écrasant sa cigarette. Je ne sais pas, elle a donné sa démission ce matin. D'après Jacqueline, elle était mal. Tu es parano, là Oui, tu as raison. Tu as fait attention Oui, évidemment. Il n'y a aucun risque Oui, tu me rassures. Jean paraissait extrêmement tendu. Tu veux que je lui parle Non, surtout pas. Tu n'as vraiment rien à craindre, mais je vais quand même me renseigner sur elle. Léo partit aussitôt. Jean saisit son téléphone. Claire lui avait laissé cinq messages en absence. Il la rappela. Non, il n'avait pas eu le temps de l'écouter à la radio. Elle parlait avec fébrilité et en phase, dissimulant mal son angoisse. Son article avait engendré une vague de réactions indignées, on l'insultait, on la traitait même de raciste. Il jubilait. Que pouvait faire son nouveau compagnon face à une telle situation Il ne connaissait pas la rudesse de leur milieu, les coups bas, les attaques, la rhétorique politicienne, l'impact des médias et des réseaux sociaux, ces machines à broyer. Il prit le temps d'écouter Claire puis lui conseilla d'assumer sa position. Non, je regrette d'avoir fait cet entretien, je me suis exprimé trop rapidement, j'ai cédé à la facilité de l'époque, cette injonction a donné son avis sur tout à chaud, sans distance critique, sans débat contradictoire, et au fond sans réflexion. Ma pensée a été dévoyée, j'en suis malade. Tu as tort. Ça fait du buzz, en bien, en mal, il faut qu'on parle de toi. Mais tu sais bien que je ne cherche pas l'exposition médiatique. Pourtant, en donnant des interviews, en écrivant, tu t'exposes. C'est vrai, mais je vis très mal l'agressivité sur les réseaux sociaux. Tous ces anonymes qui se lâchent, ce lynchage public, je crois que je ne supporte plus toute cette violence. Il eut un rire ironique. Alors il ne fallait pas faire ce métier. Il raccrocha, dénoua sa cravate. Il étouffait. Il avait l'impression que son cœur battait trop vite, sa tension devait être haute. Il ressentait une légère compression au niveau thoracique. Il consulta sa montre connectée qui lui permettait de déceler le moindre trouble du rythme cardiaque. Son pouls était correct. Il sortit de sa poche une petite plaque métallique. Reliée à son téléphone, elle enregistrait le tracé de son électrocardiogramme. Il posa ses doigts sur la plaque. En quelques secondes, le résultat s'afficha. Tout était normal. Il sentait pourtant confusément que rien ne l'était. Chapitre 5 Jean Farel reconstitua le fil des événements depuis le moment où il avait reçu le SMS de Kitri Valois et celui où elle avait franchi le seuil de son appartement. Il ne se souvenait pas de lui avoir imposé quoi que ce soit. Il craignait la dénonciation calomnieuse, tout ce qui aurait pu salir sa réputation professionnelle et compromettre son avenir télévisuel. Plus que tout, il craignait la rumeur qui avilissait tout. Cette fille pouvait avoir été envoyée par Ballard, par un concurrent ou même par un politique rancunier pour le faire tomber, tout était possible. Dans le parc situé à proximité du grand palais, Claude, tirant sur sa laisse, il saluait les gens qui le reconnaissaient, masquant son trouble. Il se dirigeait vers ses locaux quand il reçut un appel de la gardienne de sa résidence principale, avenue Georges Mandel. La police était chez lui. Il l'écoutait religieusement, figé par ces mots qu'elle répétait en boucle, tandis qu'au même moment. Claude se mettait à aboyer avec une vigueur suspecte contre un groupe d'individus. Il était comme enragé. Qu'est ce qu'ils sont venus faire? Ils ont juste dit qu'ils avaient un ordre de perquisition. Ils sont rentrés et c'est tout. Jean raccrocha, appela Léo et lui expliqua la situation. Son frère le rassura. Écoute, pas de panique, ce n'est peut-être rien. Non, ça ne peut pas être rien. Ils sont en train de perquisitionner chez moi. Qu'est ce que je fais? Tu attends. Viens à la maison, ça nous permettra de gagner du temps. Jean déposa Claude à son bureau, vérifia qu'il n'avait rien laissé de compromettant, puis se rendit chez Léo, dans le 17e arrondissement de Paris. La sobriété de la décoration, mur blanc, meuble en bois, trahissait un désir de neutralité presque suspect. Léo vivait seul. Jean ne lui connaissait aucune compagne. Quand il évoquait ce sujet, son frère se contentait de sourire ou laissait entendre qu'il était un espion de la DGSI sans attache. La réalité était plus pathétique. À part son frère, il n'avait personne dans sa vie. Ils avaient une relation fusionnelle mais déséquilibrée. Léo donnait l'impression d'être dépendant de Jean. Il était corvéable à merci. Certains surnommaient Léo va chercher comme on le dirait d'un chien. Jean s'assit sur l'une des chaises en bois, Léo lui servit un verre d'eau. Tu n'as aucun souci à te faire. Même si la fille porte plainte, son témoignage ne vaudra rien. Regarde ce que j'ai trouvé dans son bureau. Il sortit une pochette, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photos de gens, des articles de presse découpés avec un soin maniaque. À moins que ce ne soit ton attaché de presse, je crois qu'on a affaire à une admiratrice. Elle est jeune pour être une fan. Habituellement, je séduis la ménagère de plus de cinquante ans. Tu es irrésistible. C'est pas drôle. Je risque quoi si elle porte plainte? Tu sais que je n'aime jamais imaginer le pire tant qu'il ne s'est pas présenté. Léo téléphona à Alexandre il devait être à l'appartement, il pourrait lui en dire plus, mais son neveu ne répondait pas. Jean restait prostré, sa tête entre les mains, incapable de réagir aux sollicitations qui se multipliaient sur son téléphone. Léo avait des contacts dans la police. Il passait quelques coups de fil, tandis que Jean faisait nerveusement défiler le fil de son compte Twitter. Léo posa sa main sur le téléphone de son frère. Maintenant, on se calme et on attend. Jean ne l'écouta pas, se connecta à ses comptes. Il devait à tout prix montrer qu'il n'avait rien à se reprocher. Il posta sur Instagram une photo de lui en train de lire Au soleil, souvenir de ses dernières vacances à Bali. Quelques minutes après, le téléphone de Léo sonna. Jean vit le visage de son frère se décomposer au fil de la conversation. Léo raccrocha rapidement. Une plainte a été déposée pour viol au commissariat de la goutte d'or dans la nuit. Jean passa ses mains sur son visage et les fit lentement glisser. J'en étais sûre. J'aurais dû me méfier, j'ai été imprudent. Quel con En quarante ans, je n'ai jamais fait un tel faux pas, c'est une erreur de débutant. Léo restait silencieux. Dis quelque chose, j'ai une plainte pour viol sur le dos, merde Oui, il y a une plainte. Mais ce n'est pas toi qu'elle vise. C'est ton fils. Chapitre 6 Alexandre courait sur son tapis roulant depuis quarante-cinq minutes quand trois officiers de la police judiciaire avaient surgi au domicile de son père. C'est lui qui leur avait ouvert la porte, il était seul, son père n'était pas rentré. Il tenta de rester calme, de contenir son angoisse. Il les avait accueillis en bas de jogging, torse nu, essoufflé, en sueur. Les policiers lui avaient demandé s'il était bien Alexandre Farel et il avait acquiescé. Après lui avoir montré leurs cartes officielles, ils avaient pénétré dans le grand appartement décoré de meubles anciens le regardant d'un air soupçonneux comme s'il pouvait à tout moment sortir un flingue de la poche de son jogging et les tuer d'une balle dans la tête. Nous sommes ici parce qu'une jeune femme a déposé une plainte contre vous. Elle vous accuse de viol. Je ne sais pas de quoi vous parlez, c'est une erreur. Nous avons reçu ordre de procéder à une perquisition. Mais ici vous êtes chez mon père, le journaliste Jean Farel. Moi j'habite en Californie, vous n'avez pas le droit. Les faits se sont passés en France. Euh, c'est une erreur, attendez, je vais appeler quelqu'un et... Le policier l'interrompit en lui disant qu'ils avaient des ordres, tout en faisant signe à ses hommes d'agir. Ils enfilèrent des gants, puis fouillèrent sa chambre en premier, jetèrent par terre le contenu de chaque placard, vidèrent les tiroirs, retournèrent son matelas, les coussins. C'est quoi ça? demandèrent ils en désignant une valise pleine. Je m'apprêtais à rentrer chez moi aux États-Unis. Plus maintenant. Tu ferais mieux d'annuler ton billet si tu ne veux pas le perdre. Ne me tutoyez pas. Alexandre restait prostré dans un coin de sa chambre. Ils saisirent son ordinateur. Il les supplia de le lui laisser. Sans son ordinateur, il ne pouvait pas travailler, il n'avait même pas fait de sauvegarde, et il avait des examens prochainement. Toutes ces données étaient à l'intérieur. Mais les policiers se mirent à rire. On va voir ce que tu caches, le disque dur va parler. Ils vidèrent les poches, tâtèrent l'intérieur des blousons et des suites, démontèrent la valise, et tout à coup, dans la poche d'une veste, ils trouvèrent une culotte jaune. C'est à qui ça À ma copine. Comment s'appelle-t-elle Je ne suis pas obligé de répondre. L'un d'eux s'avança vers lui et le menota. À partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Ça peut durer jusqu'à quarante-huit heures. On vous notifiera vos droits au commissariat. Vous aurez le droit à un médecin et un avocat. Si vous n'avez pas d'avocat, on appellera un commis d'office. Alexandre répétait qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et que c'était une erreur. Les policiers le poussèrent vers la sortie et le firent entrer dans un fourgon sous les yeux de la gardienne et des voisins qui avaient assisté à la scène. Où va-t-on demanda Alexandre. Au premier district de la police judiciaire. On va te mettre au chaud. Dès son arrivée, Alexandre fut enfermé dans une petite cellule dont les murs exhalaient des effluves méphitiques d'urine et de sueur. À côté du banc où il s'était installé, il aperçut des toilettes à la turque tachées d'excréments et de restes d'aliments. Il avait envie de vomir, la tête lui tournait, il avait si peur qu'il tremblait. On lui dit qu'un avocat commis d'office allait arriver et qu'il pourrait s'entretenir pendant trente minutes avec lui au début de sa garde à vue. Si au bout de vingt-quatre heures la garde à vue était prolongée, il aurait le droit à trente minutes supplémentaires. Il s'assit sur un banc, la tête entre les mains. On lui avait tout confisqué son ordinateur, son portefeuille avec ses papiers d'identité, son téléphone. À côté de lui, un homme âgé d'une quarantaine d'années lui demanda pourquoi il était là. Il répondit qu'il ne savait pas, il était innocent. L'autre se mit à rire. Moi aussi, mec. Tu sais quoi? On l'est tous ici. Alexandre se concentra. Il devait rester fort, s'adapter à cette nouvelle configuration s'il voulait survivre. Il se souvenait du discours qu'avait prononcé l'un de ses professeurs le jour de sa rentrée à Stanford. Vous êtes tous des étudiants brillants, intellectuellement curieux, ambitieux, mais ce qui vous distinguera, c'est votre flexibilité. Et ce grand spécialiste de la topologie algébrique avait cité Darwin. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Chapitre 7 Le point de rupture, c'était l'annonce, l'appel de la femme d'Adam en fin de matinée, cette voix rageuse, imprécatoire ses reproches agressifs tandis que Claire essayait de garder son calme, de rester digne, de résister à l'injonction de sa propre folie alors que tout en elle se fracturait, tout en elle esquivait l'attaque, espérant que son fils livrerait une autre version, une histoire moralement acceptable qu'elle pourrait opposer à celle de Mila. Mais Alexandre avait éteint son portable ce qui l'accusait, disait Adam, et elle n'avait pas trouvé d'autre issue que d'appeler Jean pour qu'il la réconforte et la convainque que ce n'était qu'un cauchemar, qu'il allait tout arranger, mais tout ce qu'il avait trouvé à lui dire fut Tout ça est ta faute. Il était au courant, il avait essayé de la joindre. Léo avait obtenu l'information. Une plainte avait été déposée, il n'en savait pas plus. Adam répétait le déroulement des faits tels que sa femme les avait décrits au téléphone. Il l'a violée à plusieurs reprises, il l'a menacée avec un couteau. Et Claire répliquait que c'était impossible, comme si les mots pouvaient la déporter vers un monde parallèle qui disculperait son fils. Elle ne croyait pas à la possibilité du viol. Son fils allait bien, il était heureux aux États Unis, il n'avait aucune raison de céder à la violence. Quand il raccrocha, Adam regarda Claire fixement sans parvenir à parler. Il saisit son blouson, puis se dirigea vers la porte de sortie. Où vas tu? demanda Claire. Aux urgences médico judiciaires de l'Hôtel Dieu, rejoindre ma fille et sa mère. Ton ex femme a porté plainte sans même t'en parler, tu ne crois pas qu'elle utilise cette histoire pour nous nuire? Non, elle n'utiliserait jamais sa fille pour cela. Elle avait peur, tu comprends, peur que je la dissuade, sous ta pression, d'aller au commissariat. Tu vas lui dire de retirer sa plainte, n'est ce pas? demanda t-elle en tremblant. Il doit y avoir une explication à tout cela. Quelle explication? Ton fils a violé ma fille. Tu comprends ce que cela signifie? On n'en sait rien encore. Il se figea. Tu penses que ma fille ment? Qu'elle a inventé cette histoire? Et dans quel but? Je n'ai pas dit ça, mais je ne crois vraiment pas que mon fils soit capable de faire une chose pareille. La violence n'a pas toujours d'explication rationnelle, j'en sais quelque chose. Il faut que nos enfants nous donnent leur version. Ça veut dire retirer la plainte? Écoute, euh, tu ne peux pas me faire ça. S'il y a une plainte, Alex ne pourra plus étudier à Stanford, il perdra tout. Il est fragile, je t'en prie, ne brise pas tout ce qu'il a construit après sa tentative de suicide. Il n'y a donc que cela qui t'intéresse. La réussite de ton fils. Est-ce que tu penses deux minutes à la souffrance de ma fille, à l'horreur de ce qu'il lui a fait subir Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis Je suis désolée, je veux bien croire que quelque chose de grave est arrivé, mais je t'en supplie. N'agis pas de manière impulsive, ne prends pas le risque de tout briser sur un simple appel de ton ex-femme. Je te parle de ma fille. Je lui ai parlé au téléphone, elle était dans un état de détresse totale. Elle n'arrivait même pas à articuler trois mots. Il l'a bousillée. Est-ce que tu peux entendre ça Il y eut un long silence. Puis Claire reprit Elle a été choquée par quelque chose, c'est certain. Mais sa mère a peut-être exagéré la gravité des faits et l'a obligée à porter plainte pour me faire du mal. Jamais la mère de Mila n'aurait porté plainte si elle n'était pas sûre de la réalité des faits. Enfin, tu ne comprends pas. Dans son milieu juif ultra-religieux, quand une fille est violée, plus personne ne veut d'elle. Pour tout dire, je suis même étonnée qu'elle l'ait accompagné au commissariat pour porter plainte. Tu n'imagines pas le courage qu'il faut pour faire cela. Il avait lâché cette phrase d'une voix brisée, au bord d'un précipice intérieur. Claire s'approcha de lui, il était froid, distant. Il la repoussa. Elle se justifiait, elle n'était pas responsable de ce qui s'était passé, il n'avait aucune raison de s'éloigner d'elle. Je passerai prendre toutes mes affaires quand tu ne seras pas là. On ne va plus vivre ensemble? Une enquête est en cours. Je préfère qu'on ne se voit plus. C'était le pire moment de leur vie, ils le savaient. Ils n'iraient pas plus bas, ils avaient touché le fond. Après ça, ils ne pourraient que remonter à la surface, peut-être pas naviguer à vue, nager, mais seulement se laisser porter par un mouvement cyclique de submersion, asphyxie, réanimation pour finir par flotter comme des corps inertes, les grands noyers bleus. Il découvrait la différence entre l'épreuve et le drame. La première était supportable, le second se produisait dans un fracas intérieur sans résolution possible, un chagrin durable et définitif. Adam saisit son casque de moto, son sac à dos. Claire le regarda s'éloigner, consciente que l'accusation qui visait son fils avait engendré sa propre disgrâce. Chapitre 8. L'avocat commis d'office, Maître Arthur Sélérier, arriva quelques heures plus tard. On fit sortir Alexandre de sa cellule afin qu'il puisse s'entretenir avec lui. C'était un ancien secrétaire de la Conférence des avocats du barreau, une institution qui rassemblait chaque année 12 jeunes avocats élus par leur père pour assurer la défense pénale d'urgence. Âgé d'environ 30 ans, brun aux yeux marrons tirant sur le verre, de taille moyenne, il travaillait dans un important cabinet parisien spécialisé en droit pénal. Sa chevelure abondante et bouclée lui donnait un air étonnamment juvénile, mais il y avait dans son regard un éclat vif et tranchant qui disait le discernement et la ténacité. Son avocat lui serra la main et se présenta. Maître Célérier. Il lui tendit sa carte. Il était alerte, serein, pédagogue quand Alexandre ne pouvait opposer que tension et agressivité. Je ne peux pas rester ici, je n'ai rien fait, je veux rentrer chez moi. Tu permets qu'on se tutoie? Alexandre acquiesça. L'avocat s'assit face à lui, sortit un dossier rempli de feuilles sur lesquelles il commença à prendre des notes. Alexandre se sentit immédiatement à l'aise avec cet homme qui n'avait que quelques années de plus que lui, mais qui affichait une confiance et un calme qui l'impressionnaient. Il était dépendant de cet avocat dont il ne savait rien, cet inconnu incarnait désormais sa seule chance de sortie, son seul lien avec l'extérieur. Alexandre fondit en larmes. Tu es stressé, c'est normal, dit l'avocat en posant une main amicale sur son épaule. Ne t'inquiète pas, je vais tout faire pour te tirer de là, ça va bien se passer. C'est un cauchemar, je ne comprends pas ce qui arrive. Ça va aller. J'ai besoin d'abord que tu me parles rapidement de toi. Je suis étudiant à Stanford, j'ai 21 ans. Je dois absolument rentrer aux États-Unis, je ne peux pas manquer les cours. Chaque chose en son temps, est-ce que tu sais ce qu'on te reproche Ils disent que j'ai violé une fille. Prononçant ces mots, il essuya ses larmes avec la manche de son pull. Maître Célérier lui donna un mouchoir en papier. Et c'est vrai Cette fille, tu l'as violée Non, bien sûr que non. Explique-moi ce qui s'est passé. Rien, il ne s'est rien passé, je ne sais pas de quoi il parle. Écoute, je vais t'expliquer comment ça se passe. Une fille porte plainte. Elle est auditionnée plusieurs fois, puis elle est envoyée aux unités médico-judiciaires pour faire des prélèvements. Ils vérifient s'il y a bien eu un rapport, ils recherchent des traces de sperme, ils font une recherche ADN. Et quand ils ont des preuves matérielles, un doute, une suspicion, ils procèdent à une garde à vue. Tu n'es pas là par hasard, la plaignante doit être crédible. Alors dis-moi, si tu accouches avec une fille récemment, ça ira plus vite. Hier soir, je suis allée à une soirée avec la fille du compagnon de ma mère, elle a 18 ans. Nos parents ont insisté pour qu'on y aille ensemble. À cette soirée c'était plutôt tranquille. À un moment elle a proposé de prendre l'air, dehors j'ai acheté du shit qu'on est allé fumer dans un local parce qu'elle avait peur des flics on s'est embrassés, on s'est caressés, elle m'a sucé, voilà c'est tout. Tu n'as pas couché avec elle? Non. Disant cela, Alexandre prit son visage dans les mains. Je vais sortir d'ici, je veux sortir d'ici, je vais devenir fou. Mon père peut payer une caution, il faut que je prenne le vol de demain soir. Tu as trop vu de séries américaines, on n'est pas aux États-Unis là. Il faut que tu te ressaisisses parce que ça peut durer 48 heures. Ils vont tout faire pour que tu craques. À ce stade, je n'ai pas accès au dossier, je ne sais rien, j'avance à l'aveugle, donc tout ce que tu vas me dire est important. Je vais rester avec toi pendant toutes tes auditions. Le premier est un interrogatoire de grande identité. Ils vont te poser des questions sur ton état civil. Ensuite viendront les auditions sur les faits. Les flics utilisent toujours la technique de l'entonnoir, c'est à dire qu'ils poseront des questions générales où tu te sentiras plutôt à l'aise et où tu seras susceptible de mentir, puis les questions vont être de plus en plus précises sur les faits, le but étant évidemment pour eux de te coincer sur les inexactitudes que tu aurais pu dire au début. En gros, c'est un poker menteur. On ne connaîtra les cartes des policiers qu'à la toute fin de la garde à vue. Ça va? C'est clair? Alexandre acquiesça. Maître Célérier reprit. La première audition va durer entre 30 minutes et une heure, pas plus. Tu peux garder le silence, mais ça ne me paraît pas être la bonne stratégie. On risque de te le reprocher plus tard. Tu ne réponds qu'à la question qu'on te pose. N'en dis pas plus, reste précis, concis, ne panique pas. Le but à ce stade, c'est de te faire sortir le plus rapidement possible. Tu n'as jamais eu de problème avec la justice euh, Non, jamais. On va y aller tranquillement. Ils se levèrent. Maître Célérier lui tapota le dos dans un geste amical. Tout va bien se passer. Attendez, il faut que je vous dise quelque chose. Le jeune avocat se figea. Il ne faut pas ébruiter cette affaire, je suis le fils de Jean Farel. L'animateur télé Oui. Et ma mère est une essayiste, Claire Farel. Je connais pas. Ce que je veux dire, c'est que si les médias la prennent, ça va causer du tort à mes parents. Pense à toi, ok Tu es majeur, c'est toi qu'on juge, pas tes parents. Tu veux que je les prévienne Euh non, pas tout de suite. Écoute, pour le moment, je n'ai pas accès au dossier, je ne sais pas ce que la fille a raconté, alors tu restes calme, cohérent. Tu ne changes pas de version en cours d'audition, d'accord Alexandre esquissa un léger sourire. Je crois que je saurais faire ça. Ils entrèrent dans une salle équipée d'une caméra. La première audition commença. La directrice d'enquête, une femme âgée d'une petite quarantaine d'années, dit à Alexandre qu'il allait être filmé. Il se tenait droit sur sa chaise. Il paraissait tétanisé. Elle lui présenta une photo de la jeune femme qui avait porté plainte. C'était bien la fille d'Adam, oui, il la connaissait. Non, il n'avait pas couché avec elle. Interrogé sur la présence de sperme sur les vêtements de la plaignante, Alexandre reconnut avoir éjaculé après la fellation qu'elle lui avait faite de son plein gris. Il subit des prélèvements génétiques. On le prit en photo sous tous les angles, puis il fut ramené en cellule jusqu'au retour de son avocat quatre heures plus tard pour la deuxième audition. Chapitre 9. L'appartement de Jean Faral avait été entièrement retourné. Les vêtements, les affaires personnelles avaient été jetés à terre. Jean et son frère découvraient l'ampleur du saccage. Vingt minutes plus tard, Claire les rejoignit. Elle était pâle et vacillante. Qu'est-ce qui s'est passé exactement demanda Jean. Claire relata les faits et décrivit brièvement Mila Wiesmann. Jean s'emporta. Et ils arrêtent Alexandre comme ça, dans l'urgence, sans enquête Léo se mêla à la conversation. Elle a dû leur dire qu'il habitait aux États-Unis et ils ont eu peur qu'ils prennent le premier vol. Dans ces cas-là, ils agissent vite. Oui, mais on la croit comme ça C'est peut-être une mythomane C'est ce que l'enquête va déterminer. Est-ce qu'on peut le voir demanda Claire. Non, il est en garde à vue. J'ai appelé un ami avocat, il m'a dit que s'il n'y avait pas de preuves, il serait obligé de le relâcher. Il ne faut surtout pas que ça sorte dans la presse. Comment était-il hier euh, Je ne sais pas, normal. Est-ce qu'on a d'autres infos À ce stade, aucune. Tu as une photo de la fille demanda Jean. Je ne vois pas le rapport. Souviens-toi, dans l'affaire des SK, quand les gens ont vu la photo de la fille, beaucoup en ont conclu que ce n'était pas crédible. À ce moment, une grande partie de l'opinion publique est passée dans son camp. Claire prit son téléphone, fit défiler des photos et lui en montra une. Pas terrible du tout, ça peut jouer en notre faveur. Un long silence s'écoula, puis Léo demanda à Claire si, connaissant un peu Mila Wiesmann, elle la jugeait crédible. Elle répondit qu'elle ne savait pas. C'est une fille apparemment sans histoire, elle est réservée, je sais pas trop. Moi, je pense qu'elle ment, et tu devrais le penser aussi, répliqua aussitôt Jean. Et Wiseman, que dit il Il refuse de me parler, pour l'instant. Il faut que cette fille retire sa plainte, d'une façon ou d'une autre, mais sans violence, comme ça, d'elle même. Il faut arrêter ça avant que la machine médiatique et judiciaire ne s'emballe. Qu'est ce que tu comptes faire D'abord voir mon avocat, Bruno Lancel. Puis, s'adressant à Léo, il ajouta Il faut vite trouver un accord avec la famille avant que la presse ne soit informée. Comment demanda Claire. Euh, je ne sais pas, ce sont des gens dans le besoin. Ton compagnon a été licencié, non Qu'est-ce que tu insinues Qu'ils ont peut-être besoin d'argent Tu me dégoûtes Tu veux leur proposer de l'argent Tu as une autre solution Tu préfères laisser ton fils en prison jusqu'au procès, disons dans quatre ans Claire ne répondit pas. La vision de son fils incarcéré la glaçait. Il faut d'abord imposer l'ancel. Alexandre a pris un avocat commis d'office, ce n'est pas possible. Il faut régler ça rapidement. Les policiers vont vous convoquer pour une audition, dit Léo. Restez calme. Vous dites du bien de votre fils, c'est tout. Qu'est ce qu'on va faire si elle maintient sa plainte? Tu crois qu'il ne pourra pas retourner à Stanford? demanda Claire. Non. Fini. Les Américains ne rigolent pas avec le harcèlement sexuel. Je veux en savoir plus, les rassura Léo. Comment? Laissez-moi faire. Chapitre 10 Alexandre se trouvait dans le bureau des officiers de police judiciaire pour la deuxième audition. Maître Célérier était assis à ses côtés, attentif. À quand remonte votre dernier rapport sexuel Il y a six mois. Avec qui La femme avec qui j'étais à l'époque. Elle s'appelle Yasmina Vasseur elle fait de la politique. Une jeune femme vous accuse de l'avoir agressée sexuellement dans la nuit du 11 au 12 janvier dans un local à poubelle du côté du métro anvers Qu'avez-vous à dire Que c'est faux. J'étais bien avec une fille, mais on s'est juste embrassé et c'était pas un local à poubelle, mais à une pièce d'entretien. Quelle est votre orientation sexuelle Je suis hétérosexuel. Avez-vous une petite amie en ce moment Non. Quelles sont vos pratiques sexuelles Alexandre eut un moment d'hésitation. Qu'est-ce que vous voulez savoir Que faites-vous avec vos petites amies Je ne sais pas. On ne va pas savoir à votre place Tout Vous aimez les préliminaires Je ne vois pas le rapport. Répondez, vous aimez les préliminaires ou vous allez droit au but Ça dépend. De quoi Du contexte de la fille, je ne sais pas. Calmez-vous. Je suis calme, mais vos questions sont indiscrètes. Vous pratiquez la pénétration vaginale Oui. La pénétration anale Il se retourna vers son avocat. Je suis vraiment obligé de répondre à ça Le policier s'emporta. Il vaut mieux que vous répondiez. Maître Célérier lui fit signe de coopérer. C'est arrivé, mais la sodomie, c'est pas mon truc. Si vous voulez tout savoir. Pas de fellation, de cunilingus, de toucher vaginal C'est quoi ces questions T'as accusé de viol, je te rappelle, on va passer ta vie sexuelle au crible. Ne me tutoyez pas. Je vous ai posé une question, répondez. De temps en temps. De temps en temps quoi? De temps en temps, je lèche des chats, je me fais sucer, ça vous va? Il dit ces mots avec agressivité. Son avocat lui lança un regard plein de reproches. Alexandre regretta aussitôt de s'être emporté, mais trop tard, c'était écrit. Vous pouvez être brutal? Non. Pratiquez vous la masturbation? Comme tout le monde. C'est-à-dire, quelle fréquence? C'est un piège? Si je réponds deux fois par jour, je passe pour un pervers, c'est ça? Nous ne sommes pas là pour vous juger. Ok, alors notez une fois par jour. Regardez vous des films, des magazines ou des sites à caractère pornographique? Non. Le disque dur de votre ordinateur va parler. Ok, je vois des films porno classiques, je veux dire vous n'allez pas trouver des trucs bizarres, genre un homme avec une chienne. Puis il réaffirma qu'il n'avait pas commis de viol. Pourtant, le rapport médical rapporte qu'il y a bien eu pénétration. C'est pas moi. Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu de rapport sexuel avec cette fille Non, elle m'a fait une fellation, je veux dire d'elle-même, je l'ai caressée, c'est tout. Qu'entendez-vous par caresser Je lui ai mis un doigt, ça vous va Maître Célérier lui adressa un petit signe de la main, façon de lui dire de se calmer. La plaignante affirme que vous l'avez violée. C'est faux, elle vous a dit qu'à la soirée elle m'a proposé de prendre l'air C'est elle qui a voulu aller dans un local pour fumer et plus. On s'est embrassé et voilà. Pourquoi affirme-t-elle le contraire Mais je sais pas, moi je suis pas dans sa tête. Pour se venger sûrement. Quand on est sorti, je lui ai dit que c'était un bisutage, on devait rapporter les deux sous d'une fille présente à la soirée. J'avais sa culotte dans ma poche, c'était stupide, j'avoue. Après, elle a pleuré, je l'ai laissé en plan dans la rue et je suis retournée à la soirée. Vous pensez que je serais retournée avec mes amis si j'avais violé cette fille En plus, c'était la fille du compagnon de ma mère, je suis pas idiot. Ok, je l'ai humiliée, je le regrette, mais c'est mon seul tort. C'est une vengeance, c'est clair. Avez-vous d'autres choses à ajouter Je n'ai rien fait, je suis innocent. Ça va Je peux rentrer chez moi maintenant Non, vous êtes en garde à vue pendant 24 heures renouvelables une fois. Nous attendons les résultats de l'expertise ADN. Dans l'après-midi, les policiers avaient convoqué les amis présents à la soirée. Ils racontèrent qu'Alexandre était tout à fait normal en début de soirée, mais qu'il paraissait légèrement ailleurs à son retour. Il était un peu bizarre. Il avait clairement pris des trucs, mais c'est tout, et après, il a dansé une bonne partie de la nuit. Rémi Vidal apparut extrêmement choqué. Il était le seul à ne pas remettre en cause la version de la victime. Je me sens responsable de ce qui s'est passé c'est moi qui ai lancé ce bizutage j'ai été ridicule je m'en veux terriblement le policier lui avait demandé s'il pensait qu'alexandre aurait pu commettre un tel acte s'il avait la réputation d'être violent et rémy avait répondu que non alex c'est un mec très sympa il n'y a rien à dire un autre ami présent à la soirée ils avaient demandé s'il se souvenait de mila Wiesmann. oui il s'en souvenait elle était pas très sociable le genre un peu coincé mais ça voulait rien dire parce que dans les soirées celles qui font la gueule sont souvent celles avec lesquelles vous finissez par coucher il relut et signa sa déposition. Les policiers n'avaient pas d'autres questions. Chapitre 11